Bonjour. Donc, voici un exercice pour les lanceurs qui va venir. Là, ça va, cet exercice-là va vraiment venir travailler au niveau des jambes, chercher de l'explosivité pour aller pousser plus loin, puis ultimement aller chercher plus de force dans notre lancer. Donc, on va se placer les deux pieds parallèles en position de squat. On va venir faire trois sauts super explosifs vers le haut. Sur le dernier, on va rapetisser dans notre position de lanceur, puis on va partir pour le lancer. On s'assure que les pieds pointent vers l'avant et qu'on va vraiment chercher de la profondeur pour exploser vers le haut, pas simplement aller vite. Donc, on se place. Les mains peuvent être ensemble ou sur le côté. Il n'y a pas vraiment de différence. On se place. On y va. Un, deux, trois. Je place mes jambes, puis j'explose vers l'avant pour le lancer. On n'a pas besoin d'arrêt. C'est vraiment explosif. Une fois qu'on devient bon, on peut progresser. Puis varier dans les types de sauts. Donc, on peut aller faire des squats. Ensuite, on peut mélanger des squats et des lunges. Donc, on se placerait ici. On fait un squat, lunge avec la jambe gauche en avant, revient en squat, lunge avec la jambe droite, puis on peut partir pour le lancer. On peut y aller avec simplement des lunges. Donc, là, on part avec la jambe gauche en avant. On s'assure que les pieds sont toujours, toujours vers l'avant, les genoux aussi. On n'a pas de genoux qui rentrent vers l'intérieur, ni de pieds qui atterrissent sur le côté. Donc, même principe. On vient chercher un, deux, trois, puis on va lancer. Puis finalement, puis on va aller chercher une coche encore plus difficile. On va chercher l'équilibre, puis beaucoup, beaucoup de force dans la jambe qui pousse. On peut y aller sur une jambe. Puis encore une fois, c'est à ça que le pied est aligné. On y va pour trois sauts. Un, deux, trois, puis on pose vers l'avant.